I've written a lot about enchantment because of, for two reasons. One is thinking of kantos. In Kant, the words meaning to sing, because in our ceremonies, we use the singing as a form of enchantment. And so it's called, that's what it's called. And it began with the deer coming out of the forest with flowers in its antlers, and it became eventually the ceremonial system of songs that are cantos. And so it's a double meaning. Also, I lived the first year in my little tiny place where I live, I had windows that opened, and so I had an enchanted bedroom because I had dragonflies, hummingbirds, and two wasp nests in there. And so I put the hummingbirds' favorite food in the back of the room to make sure they came in. And then the wasps lived by the windows. And when one morning I slept until 9, and I usually wake up really early, and one of the wasps came over to wake me up, so I would open the window so they could get out and do their work. And so it came over, and instead of just going bzzz, like usually it was loud, like bzzz. So I had this alarm wasp, but I had a beautiful bedroom that was enchanted. It was my Encanto bedroom where I wrote with the hummingbirds coming in for their sweetness. Okay, pardon, Linda disait que donc la notion d'enchantement était vraiment au centre de son travail, notamment parce qu'elle pense souvent à la notion de canto, et je pense que ça doit être le même mot en catalan, hein, j'imagine, canto, cantos, enchanté, et que ça vient en fait des traditions et des cérémonies rituelles, traditionnelles, où bien sûr une grande part de l'activité consistait à chanter, et à produire une forme d'enchantement par le chant. Il faut savoir que ces rituels, ces cérémonies, tout a commencé avec au départ l'émergence, le surgissement d'animaux, de cervidés, des cerfs, des biches qui sortaient de la forêt avec leur bois, la forêt avec les fleurs, etc. Et que petit à petit, c'est cette apparition des animaux qui a mené à ces danses et à cérémonies, aux cérémonies autour du chant. Et aussi, Linda disait que pendant longtemps... Is it still now your enchanted bedroom? No, I had to get windows, different windows after winter came. Okay. Donc pendant... Donc pendant longtemps, elle disait qu'elle elle vivait dans un endroit où elle vivait toutes fenêtres ouvertes, et du coup sa chambre à coucher était un endroit d'enchantement, un lieu d'enchantement, entre autres parce que grâce aux fenêtres ouvertes, y entraient les guêpes, les oiseaux-mouches et les libellules. Et un matin notamment, donc après elle a dû faire changer les fenêtres, et un matin elle a été réveillée par une guêpe qui est venue avec un bourdonnement différent de son bourdonnement habituel et qui lui demandait d'ouvrir la fenêtre pour qu'elle puisse sortir. Donc elle avait un réveil guêpe chez elle. But it is still beautiful there. I'm going to read a poem, the first poem. And then Binne is going to translate it. The eyes of the animals. Looking into the eyes of the elephant, I am looking also into the eyes of the great land tortoise with its life more than 100 years. And I see the sand, the salt water from those eyes, the mouth, claws, flipper, hoof, trunk, all on the way to any water, across a changed world where nothing is familiar. And looking into the eyes of the mountain gorilla infant, holding green bamboo with her black hands
and fingernails so perfect, the eyes look back at me, so unwillingly gentle and alive, so unable to say, take from me the fur, as the turtle cannot say, take from me the great shell, or the elephant its tusk or hoof. It would say, I am light, kind, I am the same as you. I see the red eyes of the tree frog climbing with yellow webbed feet, hanging on, calling for rain. Dear life, let's you and I talk about the orangutan surrounded by shining fur, all amber jewel, golden eyes, copper arms stretched thin enough, open and reaching, holding the emerald plant, shining in the light of morning. A diamond cutter could not make anything so great, so needed, so needy, desired and desirable as this red ruby of a child. So, dear life, protect this world. Life, look into the eye of the whale. There are no words a man can speak so great as theirs. And then there are the eyes of the wolf. A god was named for them. When you see any of these, you want to know. You know all they want is to live, to survive, to care for their playful young, just as we do, knowing God is not who or what or anything but all this, life. Even the circle of fern unfolding, and the eyes of the universe look back at you with the true knowledge of what you are, saying human, man, child, woman, this world, even yourself, you must learn to love. Les yeux des animaux. En regardant dans les yeux de l'éléphant, je regarde aussi dans les yeux de la grande tortue de terre, sa vie de plus de 100 ans, et je vois le sable, l'eau salée qui coule de ses yeux, la bouche, griffes, nageoires, carapace, tronc, tous en route vers une eau quelconque, à travers un monde changé où plus rien n'est familier. En regardant dans les yeux d'un bébé gorille des montagnes qui tient dans ses mains noires du bambou vert, ses ongles si parfaits, ses yeux me regardent en retour, si involontairement doux et plein de vie, tellement incapable de dire « Sors-moi de cette fourrure !» Comme la tortue ne peut dire « Arrache-moi cette coquille formidable !» Ni l'éléphant, sa défense, ou son sabot. Il dirait, je suis léger, bon, ton égal. Je vois les yeux rouges de la rainette qui grimpe avec ses pieds jaunes palmés, qui s'accroche, appelant la pluie. Chère vie, et si on parlait, toi et moi, de l'orang-outan enveloppé dans sa fourrure luisante, un bijou d'ambre aux yeux dorés, des bras de cuivre déjà assez minces, bras ouverts, tendus, qui tiennent la plante émeraude et la brillante lumière du matin. Un tailleur de diamants ne saurait rien produire d'aussi beau, si nécessaire, si nécessiteux, si désirable et désiré que ce rubis rouge d'enfant. Alors, chère vie, protège ce monde. Vie. Regarde au fond de l'œil de la baleine. Il n'est aucun mot d'homme aussi grand que les leurs. Et puis, il y a les yeux du loup. Ils donnèrent leur nom à un dieu. Avoir un seul d'entre eux, on sait qu'ils ne demandent qu'à vivre, à survivre, à s'occuper de leurs petits qui batifolent, tout comme nous,
Ils savent que Dieu n'est pas qui ou quoi, mais rien d'autre que tout cela, la vie. Même l'anneau de fougère qui se déplie et les yeux de l'univers te regardent en retour, sachant pleinement ce que tu es, parole, humain, femme, homme, enfant. Ce monde et même toi-même, tu dois apprendre à aimer. This is an essay called The Ways of the Cranes. I thought I'd be doing more poetry, but I have two prose pieces instead. So I gave her choices. I went to do research at the Sandhill Crane Station in Nebraska, Kearney, Nebraska, and so we observed the cranes and even dressed kind of like cranes to go near them and snuck out through the tall grasses and hid and studied them. It was a very interesting experience because they come there from all over the world, Siberia, Brazil, every place in every continent once a year in April. Ways of the Cranes. When the red sun sinks behind the mist in the evening, the sandhill cranes begin to arrive. Long-legged, wings open wide, they come first sparely, two watchers only, then in scatterings, and finally in great numbers, lines of them crossing the sky to land before us hidden humans. The great birds fly across the mist, through it, legs, necks lengthened, legs stretched out behind them, then landing, their sound an uproar. It has been noted through history that they look like writing in the sky, that they fly like words and sentences. I know a message is given above us, one of mystery and animal dignity. They have their inner maps, the memory of constellations, and a magnetic pole to place that must feel something like a passion. It is a deep pilgrimage home. As the sun passes, water is blue vein, and the world currents of heartbeat as this river are even felt by the human in this flat land of golden grasses. They land and congregate with one another until they become the world. Soon no water is seen. Most fly directly over us, and with such beauty, there is not even a word to describe it. They have been to so many places, and when they leave, they will fly to other worlds, waters we do not know, with the last light of evening flashing on their 100,000 wings that speak the language of feather, light, air-filled bones. They are driven by what is hidden to most of us, understood in Aboriginal remembering of traveling the causeways of land and water shine, as we recall the eroded passages of time where we too, as Indian people who have come together for this sojourn, journeyed seeking survival for all time. They come to this place, now a soft gray field of birds, almost a cloud, except they stand crowded in the water and talk, noisy, loud, and yet I find it comforting. It is night where all this life takes place,
when they returned to the narrowing braid of waters that was once a great crashing river, now sandbars and only a few inches deep. Above, as they continue to arrive, the wind shows the clouds moving with the curve of earth, and the birds look darker than they are in the turning night, all like water. They appear, as they have done forever, along this river, half a million in number, and continue to land for many nights, the voice of earth history crying out, calling, even slightly roaring as we try to sleep. Tree branches are still without leaves, and yet the pulse of the ground sends the fluid skyward, all attention there. It is the first evening of spring in all its chaos. Sprouts rise from the ground, a volcano erupts in Alaska, the whole earth is filled with motion and new life. The birds are this American sky. They are sand and water, all the elements, even fire, in their desire to travel the river, braided together in sand, in strands. Tribes have told stories about them, stories to them, for centuries. And they have told tribes the stories of their own entwined journeys. More than the mind or imagination or even the spirit can hold, they fly in, black strings of movement across the sky, still coming when we leave to walk toward them in darkness, bent, single file, trying to be crane, the life that was here before humans. About 5 years ago, being a rock hound, I found an old bone of an ancient sea turtle near here, ossified. I was searching for a round river stone to take home with me. I always hope to collect even a small one from every place I visit. Instead, I found a bit of the ancient world that lived here, along with the ancestors of the cranes. Those great turtles are gone now from the nearby inland waters, but the cranes still arrive. They have flown over fences, international boundary lines from Mexico, over cut golden stalks, wetlands, and each night becomes one special language, each bird joining with the others in our human silence, listening, watching. The true dance takes place in the fields. Some rise up, wings open, then come back down in motions elegant as the dances of Asian theater. The ones they create for possible partners are dances of stylized seduction and enchantment, and it works. I am seduced, enchantment for certain. Their songs and stories, cantos, the way they know a private world and language, ancient and separate from ours, yet part of the same, and they are telling something important. We desire to understand that telling. It seems they are sharing stories as the whales do when they congregate in the depths of ocean to speak, and with the whales when they leave their joined destination. It has been noted by experts that their language is different. It has changed. Writers would say they tell a new story. For some of the younger cranes, theirs is an elaborate dance of mating. They open wings and move in great arcs and curves to attract to themselves a lifetime partner, one who will call out and return their calls in unison, the same words and sounds establishing the union. One night, a driving storm shakes the world. Thunder breaks open the sky, and for the first time, all is silent. For a while, as if they take in the larger voice, and then it begins again,
the constant talk, the convergence of languages from the four corners of the world where they have all been. I hear them all night and think they are the soul of this land. In the morning, I go outside to watch them leave in a roar of wingbeats, traveling to near fields to eat the leftover harvests, gleaning corn and wheat, crickets and other insects to stretch and dance. They need a certain amount of calcium, and I wonder if nutrition plays a part in the dwindling of the whooping cranes who come to this same place, only small in number, large in size. These sandhills were once a savanna, the land, the place, a world of tall plants and grasses. Now it is changed by farmlands and highways. Once there was a roaring river. It was called by some of the tribes a place of healing waters. Cranes have a fossil map, 4.5 million years old. Other researchers say 9 million. The bones of sandhill cranes have been used by ancient peoples in beads and medicine bundles. Also, the crane leads a line of animals connected with humans in a pictograph that was once thought of as a story, then used as an old Chippewa land claim in court, and it held up as legal. Some of you may have seen it. It's a black paper with white drawing on it, and it shows a human with all the animals attached and a crane in the beginning lead, and there's a line that attaches the humans and the animals. And so when they went to court, this was a land claim, and it said that indeed this land belonged to the Anishinaabe people. Allison Hedgecock says that the Chippewa call the cranes keepers of language, not unlike their writing in the sky or even the tracks in sandy mud. I can understand this of these birds with long black legs, the red top of head and eye, softly covered feathers and bend of neck. They are animals of dignity, meaning, and a history we only try to imagine, even as we recognize them on ancient pottery designs. They have to do in the human being with divinity. Still, we are always, as people, we are always tracking, keeping numbers, measuring that which is without measure, trying to categorize or make sense even of meaning or beauty in this world. In our new times, we track most often to help the survival of other lives. And yet the world all around us is changing. It is growing smaller moment by moment. We must encircle that with our knowledge, our intuition, with what we do not yet have, the learning of an entirety, a wholeness, an expanded vision that takes in not just the study of one thing, but the knowledge and understanding of an all. We might track ourselves, our true histories, even truth, constantly forgotten, ignored, and denied. We are not at peace, even among ourselves. What can we say of the rest of the human world, but that it breaks my heart day after day, and I wish to fly away with the cranes and be one of them in the gleaming field by day, legs down when I come to the water, flying by night, going afar with my clan, returning each year to reaches in the right place in the sky and water, alive with the moon inside me. There was something I once read in one of the great mythologies of cranes. Here is what I remember of it. It's a poem I wrote. Goddess. There was a woman they called Crane, because of her dance,
graceful of leg, she always wore the down the color of feathers, downy white, gray tipped, red paint across her eyes. She enchanted men and they believed they loved her. Following her at night, they walked through marshes of dried grass, over fallen trees, into snow, cold, and through the brush, only to find themselves winged and standing among others, like spirits taken away to other worlds, calling out all night a new language, searching for that one lost among the many. There they go now, early morning, leaving red sun on them. They are fires flying red through sky, living winged embers, loud, the whoosh of wings like the sound of a train, the bringing together of feather, perfectly groomed. Droves of them travel. When there is more clear light at the top, perhaps it is only the sun, the white of their wings visible, but mostly they are cloud gray. Many tribes have watched these elegant birds, even those in the north. In Mississippi, Tennessee, where our tribe is from, the cranes have gathered in the deep green of water, the blue of it, the sand of it, and they remain, never leaving, as if they are the ones who hid and remained, while the rest of us, my people, were forced to leave our country and walk to Indian territory. These birds of Nebraska's Platte River come through that territory as well, to the red lands and thick trees and the shallow rivers. Red people, red land it means. Oklahoma, red waters. I have seen them, the red feathers above the eye we sometimes used to design with red paint as we danced. In their congress of wing and beak and claw, gathering all in one place, crowded, they are a tribe surrounded by stalks and grasses, leaning in the wind, winding through a bend in the sky, clouds of the cranes, wings closing and opening, their voices telling us what we need to hear, that we are never going to know what they do, that we are never going to reach the mystery we seek, that we are always going to be children here until we find new ways of knowing and of belonging. Interestingly, we had a flood where I live. There's a little creek there, and it flooded, and it became a 10-foot-high river. And last year, because it's now a braided stream, the cranes were passing on their way over to New Mexico to Bosque del Apache. And they stopped there and landed and stayed for 3 days. And I heard them and I thought aliens landed because they sound so funny. And I thought, oh dear, what's that strange sound? And then I realized, oh my gosh, it's the sandhill cranes. They've landed here because the water changed the land. Everything's changed. So now I have flooding all the time. And cranes now and then. Thank you. Merci. Donc en propos liminaire au texte qu'elle a lu, elle a expliqué qu'elle avait écrit cet essai suite à une période où elle a passé du temps tapis dans les hautes herbes à observer les grues du Canada qui arrivaient des quatre coins du monde, de Sibérie, du Brésil, et qui viennent toujours au même endroit une fois par an
en avril dans la région des Sand Hills dans le Nebraska. Une petite précision quant à la traduction, pour ceux qui comprennent l'anglais. Linda Hogan a une façon de heurter un petit peu parfois la syntaxe de l'anglais, notamment de nominaliser des verbes. J'imagine que c'est une façon d'inscrire son héritage et l'influence de son héritage Chippewa, qui est une tradition évidemment très orale et dans l'oralité. Donc il y a forcément un désir d'inscrire sa propre langue à l'intérieur de l'anglais, qui bien sûr est la langue des colonisateurs, donc qui ici mérite peut-être parfois d'être tordu. Donc, le titre en anglais, c'est Ways of the Crane, et elle joue sur la polysémie. No, it's fine. Elle joue sur la polysémie, the ways of, c'est leur coutume, la façon dont elles vivent, mais bien sûr, c'est aussi les chemins qu'elles empruntent, the ways of the crane. Donc, j'ai pas traduit le titre. Le soir, lorsque le soleil s'enfonce dans la brume, les grues du Canada commencent à arriver. Avec leurs longues pattes, les ailes étendues, elles affluent, d'abord de façon éparse, deux observatrices, puis en dispersement et enfin en multitude, en lignes qui traversent le ciel pour atterrir près de nous, humains cachés. Ces grands oiseaux volent dans la brume, le traversent, le cou étendu, les pattes étirées derrière elles, puis se posent, sonnant un vacarme. On a remarqué à travers les temps qu'elles semblent écrire dans le ciel, qu'elles volent comme des mots et des phrases. Je sais qu'un message nous est offert au-dessus de nos têtes, message qui parle du mystère et de dignité animale. Elles possèdent leurs cartes internes, la mémoire des constellations, et une attraction magnétique vers des lieux qu'elles ressentent certainement comme une passion. C'est un pèlerinage profond qui les ramène chez elles. Un soleil passe. L'eau est veine bleue et les courants de la terre du battement de cœur de cette rivière se font même sensibles pour l'humain au milieu de cette étendue de terre d'herbes dorées. Elles atterrissent et se rassemblent l'une et l'autre jusqu'à devenir monde. En un rien de temps, on ne voit plus l'eau. D'autres encore volent juste au-dessus de nos têtes avec une telle beauté qu'il n'est de mots pour le décrire. Elles ont parcouru de nombreux endroits et à leur départ, elles iront vers d'autres mondes, des eaux inconnues de nous, si nombreuses, avec la dernière lueur du soir qui flamboie sur leurs centaines de milliers de plumes qui parlent le langage d'une lumière de plumes, un langage d'os empli d'air. Elles sont mues par ce qui demeure invisible à la plupart, qui fait sens pour les aborigènes qui se rappellent les voies parcourues de terre et d'eau brillantes, comme nous nous rappelons les passages érodés du temps où, nous aussi, en tant que peuples indiens qui nous sommes rassemblés pour ce voyage, avons séjourné, cherchant à survivre pour l'éternité. Elles viennent en ce lieu. À présent, un champ gris clair d'oiseaux, un nuage presque, sauf qu'elles se tiennent serrées dans l'eau et parlent bruyamment, fort, et néanmoins, j'y trouve du réconfort. Il fait nuit là où toute cette vie se passe, quand elles s'en reviennent à ces eaux enchevêtrées qui furent un jour une rivière déchaînée, à présent des bancs de sable d'une profondeur d'à peine quelques centimètres. Au-dessus de nous, alors qu'elles continuent d'affluer, le vent montre le mouvement des nuages qui épousent la courbe du monde, et les oiseaux semblent plus sombres qu'ils ne le sont, dans la nuit qui vire. Tout qui se fond dans l'eau, elles apparaissent comme elles l'ont toujours fait, le long de la rivière, au nombre d'un demi-million, et atterrissent encore et encore de nombreuses nuits durant, la voix de l'histoire de la terre qui s'écrie, qui appelle, qui rugit, même légèrement, alors que les humains essaient de dormir. Les branches des arbres sont encore dénudées, et cependant la pulsation du sol projette les fluides vers le ciel. Dans une attention totale. C'est la première soirée du printemps dans tout son chaos. Des pousses s'élèvent du sol. Un volcan entre en éruption en Alaska.
La terre entière est emplie de mouvements et de vie nouvelle. Les oiseaux sont ce ciel américain. Ils sont le sable et l'eau, tous les éléments, même le feu, dans leur désir de voyager jusqu'à la rivière, enchevêtrés sur la grève. Certaines tribus racontent des histoires à leur sujet, leur racontent des histoires, depuis des siècles. Et elles ont raconté à ces tribus les récits de leurs propres parcours entrelacés. En des nombres insaisissables pour l'entendement, l'imagination ou même l'esprit, elles affluent. Cordons de mouvements noirs à travers le ciel nocturne, continuant de se poser alors que nous nous mettons en marche vers elles dans l'obscurité, le dos courbé en file indienne, essayant d'être grues, la vie qui a précédé aux hommes. Il y a environ 5 ans, avide collectionneuse de pierres que je suis, j'ai trouvé dans le coin un vieil os de tortue de mer ancienne, ossifié. J'étais à la recherche d'un galet d'eau rond que je pourrais ramener chez moi. J'ai toujours l'espoir d'en ramasser un, même petit, dans chaque endroit que je visite. Au lieu de quoi, j'ai trouvé un bout de l'ancien monde qui vivait ici, aux côtés des ancêtres de ces grues. Elles ont survolé des grillages, les lignes frontières qui nous séparent du Mexique, survolé des tiges dorées, fauchées, des marécages, et chaque nuit devient un langage unique, chaque oiseau rejoignant les autres au milieu de notre silence humain, l'oreille tendue, en observation. Même si la danse véritable a lieu dans les champs, certains s'élèvent, les ailes déployées, puis redescendent par des mouvements aussi élégants que les danses du théâtre asiatique. Les danses qu'elles créent pour leurs partenaires potentiels sont des chorégraphies de séduction stylisées et d'enchantement, et cela fonctionne. Je suis sous le charme, de l'enchantement sans le moindre doute. Leurs chansons et leurs histoires, les cantos, la façon dont elles connaissent un monde et un langage privé, ancien et séparé du nôtre, mais qui y prend part pour autant, et elles nous disent quelque chose d'essentiel. Nous désirons comprendre ce qu'elles nous disent. On dirait qu'elles partagent des histoires, tout comme les baleines lorsqu'elles se réunissent dans les profondeurs de l'océan pour se parler et, avec les baleines, quand elles prennent le chemin de leur destination commune, il a été avéré par les experts que leur langage est différent. Il a changé. Un écrivain dirait qu'elles comptent une nouvelle histoire. Quant aux jeunes grues, leur danse est une parade nuptiale élaborée. Elles ouvrent leurs ailes et tracent de grands arcs et des courbes pour s'attirer un partenaire pour la vie, qui s'écriera en réponse à leurs appels, à l'unisson, les mêmes mots et les mêmes sons pour établir leur union. Une nuit, un orage vient qui ébranle le monde. Le tonnerre déchire le ciel et pour la première fois, tout est silencieux pendant un moment, comme si elles écoutaient cette plus grosse voix. Et puis cela reprend, le bavardage incessant, convergence de langage des quatre coins du monde qu'elles ont toutes parcourues. Toute la nuit, je les entends et je me dis, elles sont l'âme de ce monde. Au matin, je sors pour les regarder partir dans un vrombissement d'ailes pour atteindre des champs environnants et manger le reste des récoltes, glaner du maïs et du blé, des criquets et d'autres insectes, pour s'étirer et danser. Elles ont besoin d'une certaine dose de calcium et je me demande si la nutrition joue un rôle dans le nombre décroissant des grues blanches qui viennent au même endroit, mais peu nombreuses, de taille plus grande. Ces collines de sable furent autrefois une savane, un monde d'herbes hautes et de plantes. Elle a été modifiée par des exploitations agricoles et des autoroutes. Il y a très longtemps, il y avait une rivière rugissante. Certaines tribus en avaient fait un lieu d'eau médicinale. Les grues ont une carte fossile vieille de 4 millions et 500 000 ans. D'autres recherches parlent de 9 millions d'années. Les ossements des grues du Canada ont toujours servi aux peuples anciens à confectionner des perles et des remèdes. Par ailleurs, les grues sont à la tête d'une lignée animale reliée aux humains en un pictogramme qui avait autrefois valeur d'histoire. Linda a fait une petite incise pour savoir si vous aviez peut-être déjà vu ce pictogramme. En fait, il s'agit d'une chaîne avec l'humain à un bout et à l'autre bout avec plein d'animaux au milieu. Et à l'autre bout, il y a la grue qui montre le chemin.
Donc plus tard, ce pictogramme a joué un rôle lors d'une dispute territoriale qui fut portée devant la cour, et elle fut reconnue comme élément légal. L'auteur, Alison Hedgecoke, écrit que les Indiens Chippewa appellent les grues des gardiens du langage, évoquant leur écriture dans le ciel ou même leurs empreintes dans la boue sablonneuse. Je perçois cette vérité au sujet de ces oiseaux aux longues pattes noires, le haut de la tête rouge et l'œil rouge, les plumes aux couleurs douces et la courbe de leur cou. Ce sont des animaux de dignité, de signifiance et d'une histoire qu'on ne peut que tenter d'imaginer, même à les reconnaître sur des poteries anciennes. Elles ont quelque chose à voir dans l'être humain avec la divinité. Quoi qu'il en soit, toujours nous suivons leurs traces, les comptons, prenant la mesure de l'incommensurable, tentant de catégoriser ou de faire sens même de la signification ou de la beauté de ce monde. En ces temps nouveaux, la plupart du temps, nous suivons l'évolution de ces animaux pour aider à la survie des vies autres. Et cependant, le monde tout autour, le monde tout autour de nous ne cesse de changer, de croître vers une diminution progressive à chaque instant. C'est ça qu'il nous faut arriver à cerner avec notre connaissance, notre intuition, avec ce que nous ne possédons pas encore, l'entendement d'une entièreté, d'une organicité où une vision élargie au-delà de l'étude de l'un englobe la connaissance et la compréhension d'un tout. Nous pourrions également retracer nos propres pas, nos vraies histoires, la vérité même, constamment oubliée, ignorée, niée. Nous ne sommes pas en paix, même parmi nous-mêmes. Et que pouvons-nous dire quant au reste du monde, hormis que cela me brise le cœur jour après jour, et que j'espère m'envoler avec les grues pour être l'une d'entre elles, à glaner dans les champs le jour, les pattes vers le bas quand je m'approche de l'eau la nuit à tire-d'aile, partir au loin avec mon clan, revenir chaque année en ces lieux pile au bon endroit dans le ciel et l'eau vivante avec la lune à l'intérieur de moi. Un jour, j'ai lu quelque chose dans l'une des grandes mythologies des grues. Voici ce dont je me souviens. Déesse. Il était une femme qu'ils appelaient Grue à cause de sa danse. Élégante de jambes, elle portait toujours la couleur des plumes, duvet blanc, gris au bout, un trait rouge sur les yeux. Elle enchantait les hommes et ils croyaient l'aimer. La suivant dans la nuit, il marchait dans les marais et parmi les herbes sèches, enjambait les arbres tombés, marchait dans la neige, le froid et à travers la forêt, pour se retrouver ailé, debout parmi les autres, tels des esprits emportés vers d'autres mondes, appelant toute la nuit dans un langage nouveau à la recherche de celle perdue dans la multitude. Les voici qui repartent, petit matin, s'envolent, soleil rouge qui les illumine. Elles sont des feux qui filent du rouge à travers le ciel, braises vivantes et ailées, bruyantes, leurs battements d'ailes qui vacarment comme un train qui file à folle allure. Un rassemblement d'ailes parfaitement toilettées. Elles voyagent en masse quand la lumière s'éclaire. Sur le dessus, peut-être n'est-ce que le soleil, le blanc de leurs plumes visible dans la lumière, mais dans l'ensemble, elles sont d'un gris doux. Gris nuage. De nombreuses tribus ont observé ces oiseaux élégants, de nombreuses tribus, même celles du Nord et depuis très longtemps. Dans le Mississippi, le Tennessee, d'où vient notre tribu, les grues se sont rassemblées dans le vert profond de l'eau, le bleu de l'eau, le sable de l'eau, et y sont restées pour ne jamais en partir. Comme si elles étaient celles qui se sont cachées et demeurent, alors que nous autres, mon peuple, fûmes forcés de quitter notre pays pour une marche vers le territoire indien. Ces oiseaux venus de Platte River dans le Nebraska traversent le même territoire pour atteindre les terres rouges et les arbres épais, les rivières peu profondes. Peau rouge, terre rouge, cela veut dire Oklahoma, eau rouge,
Je les ai vus, les plumes rouges, sur ou au-dessus des yeux que nous utilisions autrefois pour dessiner avec de la peinture rouge pendant que nous dansions. Un congrès d'ailes, de becs et de cerfs se rassemblent en toutes en un même endroit, en masse. Elles forment une tribu entourée de tiges et d'herbes courbées par le vent, s'insinuant dans un virage dans le ciel, des nuages de grues, ailes qui s'ouvrent et se referment, leurs voix qui nous disent ce que nous avons besoin d'entendre. Que nous ne saurons jamais quoi faire, que nous n'atteindrons jamais le mystère que nous cherchons, que nous serons toujours des enfants dans ce monde jusqu'au jour où nous inventerons de nouvelles façons de savoir et d'être au monde. Donc Linda voulait vous dire que là où elle habite, il y a une rivière qui récemment, au cours d'inondations qui a affecté la région où elle habite, est devenue une rivière mugissante de 10 pieds de profondeur. Et que dans l'entrelac des rivières, les grues justement sont venues à côté de chez elle. Elles sont venues, elles y sont restées durant 3 jours. Et au début, quand elles se sont posées, elle a entendu ce vacarme. Et elle s'est dit que peut-être c'était des aliens qui venaient d'atterrir. Et puis elle a compris que c'était le formidable tintamarre des grues. This is actually a long piece, so I'm just going to read the beginning. And it is going to be in a book on traditional ecological, traditional indigenous knowledge, tech, which is called Ecosystem Knowledge, that's coming out, edited by Melissa Nelson from Routledge Press. It's about, the entire thing is about indigenous knowledge systems, but I'm just going to read the first few pages because it's getting late and this room is, I don't know how it is for you sitting down there, but when I was sitting down there, I found it very tiring because it's not air, there's no air. So I worked for 8 years with eagles, hawks, and owls in wildlife rehabilitation. Before that, I worked with non-raptors. I worked with other kinds of animals. I saw one thing that I saw that was very interesting was how desperate humans were to have animals acknowledge them. I also once worked in a zoo when I was very young. And so people would come in and do everything to try to get attention. But at the vets, when I worked with non-raptors, it was at a vet school, and we had a fawn, a baby deer, that came in one day, and everyone came. They wanted to see it. They wanted it to love them. And I thought, what is so interesting about human beings that we want acknowledgement like this from non-humans. We want to be loved, and we want to be loved by like a deer or something. I live in a wildlife corridor, so there are deer, mountain lions, bears, foxes, wild turkey the other day. And all kinds of animals that come through. And it's the last wildlife corridor in that area. So I hang on to it hoping that I'll be able to somehow fund it for the future when I'm gone. So environmentalists and writers can come there
and research and do their work. So far, it's not, I'm not finding anyone who's very interested, but it's a beautiful place. And so one day when I was working at the Raptor Rehabilitation Facility, this is the story of what happened. I had been taking care of a golden eagle. And so I named her grandmother because she was nurturing. She couldn't fly up to the top with the other eagles because she couldn't fly that far. So we had a roost for her that was about this high, and she could jump. So she was on her roost, and I would clean up around it, everything that she dropped, or her old food or bones or whatever she spit out. So this is about, starts out about her. One of my grandmothers was an eagle, a golden eagle. From the beginning, she and I knew one another in a particular and mysterious manner of kinship. In all her injured shining, she was the killer bird the veterinary school didn't want to handle, and so they sent her to the center where I worked. Sigrid, the woman who created the facility, took the eagle out from the cardboard box they had placed her inside that housed the bird, speaking gently the entire time. Reaching in, holding to the bird's legs, she lifted the eagle out of the closed-in darkness and lifted it like, we called it a bird bouquet. She lifted it with its legs, and it was big, but it held a wing out to balance. And then she laid it down on its back. Sigrid said, "Some killer bird," and smoothed down the feathers around the eagle's face and eyes, comforting the beautiful golden with her kind words. She cleaned the dirty beak with her own ungloved, vulnerable fingers. The membrane closed over the eagle's eyes in relief. One wing we pulled open to a wide, magnificent spread of feathers. The other wing drooped, broken, probably from an automobile. When the eagle was moved out of intensive care, she was placed into the flight cage with many other eagles, but this one would never fly. She never flew. Instead, she leapt up and claimed a tree stump for her perch. She remained with us a long while, and I helped look after her, taking food, checking the claws for problems. The wing was too broken for flight, but we always hoped for healing. We believed in impossibilities. Perhaps that was part of the magic of a world that revolved around birds, magic that sometimes made a life whole. We called it a wing and a prayer. If nothing else, we wished for the absence of pain and the life of the bird for educational purposes. As the eagle stood on that trunk of tree, I brought food to her, cleaned the ground around her, picked up the undigested pellets she spit out, which contained fascinating bones, claws, and the fur of animal remains. The birds need a diet of total animal, all parts. As with all the great birds, I knew their possibilities, the claws, the sharp beaks, but I never felt afraid or endangered. Some days, as I bent below her to clean the ground, she held the healthy wing out over me with care, so kindly, so wide and perfectly feathered that even as I felt the cover, the comfort, the broken wing seemed even more heartbreaking. One day, I called her grandmother. The name remained. Soon she was called grandmother by everyone else. And like a grandmother, there were times she tried to straighten my hair to be sleek enough for flight, the way she would have done with her young.
But she required something of me in return. Grandmother, like all of the animals I have known, maybe even more, required that when I enter, I be present with fullness, with all my heart and being. I learned to stop outside the door before entering the enormous flight cage or any of the others, stopped long enough to place myself in a quiet balance. In my life with many different animals, I have found that each species I have met prefers those who have internal peace, a wholeness, a person who does not dwell too strongly in the chattering mind. Not very good to be in a university at the same time. After many years of work with different species, I've considered this state of human being and its place inside and without us. Perhaps from the animal soul, it is the human mind that is the hard-edged, dangerous part of us. It can be as devious as creative and beautiful. The human mind can plan threats as well as artistic works, cruelty in place of gentleness. It can hate as deeply as it can love. In contemplating human thought, we haven't designated what the mind might wholly contain, just as we can't say where the human spirit really lives. But animals recognize the soul of the human, and they know when we're here, when we're present, intent, and caring. They see us. A mutual respect between animals and humans appeared in the words and hearts of our native ancestors, so often quoted. In early days, we had an agreement, something of a treaty with the animals. It was binding. We would care for them, they would care for us. This was true in a small way with grandmother, but it is also the ethical context of our cultural life and being. When we look to the earlier days of our many indigenous cultures, we find that care for each part of the world around us has been the basic similarity and connection between the peoples of all continents. It is the singular cornerstone of cultural memory, and it is the strongest remaining cultural knowledge that is essential to who and what we are as people. Our ancestors respected not only animals, but all other forms of life with which we shared this world, from the soils that nourished seeds, the trees that sustained us, to the grains and grasses that fed us and our animal relatives in our co-inhabited and tightly interwoven ecosystems. Donc, pendant un temps, Linda Hogan a travaillé, elle a longtemps travaillé auprès des animaux, et notamment, elle s'est occupée d'aigles et de faucons, mais aussi d'autres animaux. Et ce qui l'intrigue toujours, c'est pour quelles raisons les humains veulent-ils désespérément se faire remarquer et arriver à capter l'attention des animaux. Elle disait qu'elle a déjà passé du temps dans les zoos, et ce qui la frappe, c'est la façon dont les humains feraient n'importe quoi pour attirer l'attention des animaux. Elle habite dans un endroit où il y a aussi des faons, des cerfs, des biches, et elle disait que quelque part, peut-être que ce que nous voulons, c'est tout simplement être aimé, et peut-être être aimé comme une biche. Elle expliquait aussi que là où elle habite, c'est resté un couloir, un couloir d'habitat sauvage, en fait. Donc il y a encore tout un tas de renards, de dindes sauvages. Et dans l'idéal, elle rêve de pouvoir fonder
un centre après son départ, qui resterait après elle, un centre donc sur place où pourraient se rendre les environnementalistes et les écrivains. Donc elle cherche des financements et pour l'instant, elle n'a pas vraiment trouvé quelqu'un qui soit intéressé pour l'aider à financer ça, mais elle dit que c'est un endroit absolument magnifique. L'une de mes grand-mères était un aigle royal. Dès le début, nous nous connaissions, elle et moi, dans un lien de parenté mystérieux et particulier. Dans toute sa brillance blessée, c'était l'oiseau tueur que l'école vétérinaire ne voulait pas prendre en main, et ainsi fut-elle transférée au centre de rééducation où je travaillais. Sigrid, la femme qui avait ouvert le dispensaire, sortit l'aigle de la boîte en carton qui l'abritait, lui parlant gentiment, sans arrêt. Plongeant la main dans la boîte, s'agrippant aux pattes de la bête, un bouquet d'oiseaux, elle sortit l'aigle de son obscurité suffocante. « Et quel oiseau tueur !» dit-elle, tout en lissant les plumes pour dégager le visage et les yeux de l'aigle, réconfortant la splendide créature royale de ses doux mots. Elle nettoya le bec sale de ses propres mains, sans gants, avec ses doigts vulnérables. La membrane se referma sur les yeux de l'aigle, soulagé. Nous lui étirâmes une aile qui s'ouvrit en un magnifique et large éventail de plumes. L'autre aile retomba, de toute évidence cassée, probablement par une automobile. Lorsque l'aigle quitta les urgences, on la plaça dans la volière avec les nombreux autres aigles, mais celle-ci ne vola jamais. Au lieu de cela, elle fit un bond et s'appropria une souche dont elle fit son perchoir. Elle resta longtemps avec nous et j'aidais à m'en occuper, lui porter de la nourriture, vérifier que ses serres se portaient bien. Son aile était trop cassée pour lui permettre de voler, mais nous gardions espoir qu'elle guérisse. Nous avions foi en des choses impossibles. Cela faisait peut-être partie de la magie d'un monde centré sur les oiseaux, la magie qui pouvait rassembler une vie brisée. Une aile et une prière, disions-nous. Dans le pire des cas, nous espérions lui épargner la douleur et préserver la vie de l'oiseau à des fins éducatives. Pendant que l'aigle se tenait sur ce tronc d'arbre, je lui portais de la nourriture, nettoyais le sol autour d'elle et ramassais les balles non digérées qu'elle recrachait et qui contenaient des os et des griffes fascinants et le poil de restes animaliers. Ces oiseaux vivent d'un régime d'animal dans sa totalité, consumant des animaux entiers. Comme pour tous les grands oiseaux, je connaissais les risques, les serres, les becs aiguisés, mais jamais ne me sentis-je apeurée ou en danger. Certains jours, lorsque je me penchais en dessous d'elle pour nettoyer le sol, elle étendait attentionnément son aile saine par-dessus moi, avec tant de douceur, si large et toute parfaite de plumes, qu'alors même que cela me réconfortait, son aile cassée me brisait encore plus le cœur. Un jour, je l'appelais grand-mère. Le nom resta. Rapidement, tout le monde l'appela grand-mère. Et telle une grand-mère, il y eut des fois où elle essaya de me lisser les cheveux pour que je puisse m'envoler comme elle l'aurait fait avec ses petits. Mais elle exigeait quelque chose de moi en retour. Grand-mère, comme tous les animaux que j'ai jamais connus, et même davantage encore, exigeait qu'en entrant, ma présence soit entière, que j'y mette tout mon cœur et tout mon être. J'appris à m'arrêter sur le seuil avant de franchir la porte de l'énorme volière et de toutes les autres cages, m'arrêter suffisamment longtemps pour trouver un équilibre silencieux. Au cours de ma vie avec nombre d'animaux différents, j'ai découvert que chaque espèce que j'ai rencontrée préfère ceux qui sont en paix à l'intérieur, qui sont entiers, une personne qui ne s'attarde pas trop dans les bavardages de l'esprit. Et elle a rajouté « difficile en se trouvant en contexte universitaire ». Après des années à travailler auprès de diverses espèces, j'ai beaucoup réfléchi à cet état d'être humain et à la place que cela occupe en dedans et au dehors de nous. Peut-être que de notre âme animale, c'est l'esprit humain qui est la partie la plus tranchante et la plus dangereuse en nous.
Cet esprit humain peut être aussi tortueux qu'il peut être magnifique et créatif. L'esprit humain est capable de mettre au point des menaces autant que des œuvres d'art, dispenser de la cruauté autant que de la gentillesse. Il peut haïr aussi fort qu'il sait aimer. Dans notre façon d'envisager la pensée humaine, nous n'avons pas désigné précisément tout ce que l'esprit peut bien contenir. Tout comme nous ne parvenons à dire où réside vraiment l'esprit humain. Mais les animaux reconnaissent l'âme de l'humain et savent que quand nous sommes pleinement là, devinent nos intentions et même la bienveillance que nous leur portons. Ils nous voient. Un respect mutuel entre les humains et les animaux apparut dans les mots et les cœurs de nos ancêtres indiens que nous citons tellement fréquemment. Dans des temps anciens, nous avions un accord, quelque chose de l'ordre d'un traité avec les animaux. C'était un accord contraignant. Nous nous occuperions d'eux, ils s'occuperaient de nous. Ceci valait en partie avec grand-mère, mais c'est aussi le contexte éthique de notre existence et de notre vie culturelle. Si l'on s'en réfère aux jours lointains de nos nombreuses cultures indigènes, on s'aperçoit que cette attention portée à chaque partie du monde qui nous entoure représente l'invariant le plus basique de ce qui relie et ce qui relie de la façon la plus élémentaire tous les peuples de tous les continents. C'est la seule pierre angulaire de notre mémoire culturelle et c'est là la connaissance culturelle la plus forte qui persiste et contient l'essence de qui et ce que nous sommes en tant que personnes humaines. Nos ancêtres respectaient non seulement les animaux, mais toutes les autres formes de vie avec lesquelles nous partageons ce monde, de la terre qui nourrissait les graines, les arbres qui permettaient notre substance, jusqu'aux céréales et aux herbes qui nous nourrissaient, nous les humains, tout autant que nos parents animaux avec lesquels nous cohabitions dans nos écosystèmes étroitement enlacés. Thank you very much. I know you must be tired. And merci. Thank you.